aujourd'hui le 25 juin 2023. Il a délivré le malheureux de la main des méchants. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Le don gratuit de Dieu et la faute n'ont pas la même mesure. Ne craignez pas ce qui tue le corps. L'Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur, et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Oui, frères et sœurs, les textes de ce jour nous invitent à rendre témoignage avec notre vie, à être des témoins vivants au milieu de ce monde de ténèbres. Or, si ce monde de ténèbres est très puissant aujourd'hui autour de nous, puisqu'il est capable d'infléchir, je dirais, la pensée de beaucoup d'hommes et de femmes, à travers le wokisme, à travers l'écriture inclusive, à travers le transgenre et compagnie, à travers la gestation pour autrui, etc., etc. Les chrétiens, au milieu de tout ça, ont une place à prendre, une place à remplir. Leur vocation est toute trouvée puisqu'ils doivent rendre témoignage dans ce monde de ténèbres, dans ce monde perverti par la corruption, par le péché, par l'adultère, par toutes sortes de choses qui ne sont pas en conformité avec la parole de Dieu. Alors Jésus nous dira, ne craignez pas les hommes, rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ce qui tue le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. Deux moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou ? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. C'est à travers cet évangile que Matthieu nous relate de l'écrit de Jésus, de ce que Jésus a dit aux disciples, aux apôtres plutôt. Eh bien, il nous invite vraiment à faire un témoignage de vie, un témoignage qui ne craint pas la mort, qui ne craint pas la persécution, qui ne craint pas tout simplement ce que les hommes peuvent faire. Or, si nous rappelons l'histoire de l'Église, elle a commencé par des 12 apôtres, et ces 12 apôtres, un seul ne finira de ses vieux jours. Tous les autres seront comme anéantis, détruits, massacrés par le peuple de l'époque qui n'entendait pas reconnaître les apôtres comme étant des hommes dignes de confiance. Et les apôtres seront persécutés jusqu'à mourir, et mourir pour la plupart dans d'horribles souffrances. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que pour autant nous ne devons pas craindre cela? Est-ce que nous devons vraiment faire la fête, le fait de savoir que nous risquons de devoir mourir demain d'une belle mort ou mourir dans d'atroces souffrances? Ben, le Christ nous invite vraiment à nous accrocher à cet évangile. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et ne peuvent pas nuire à l'âme quelque part. C'est en cela qu'il nous faut vraiment nous enraciner, fonder notre foi et notre espérance en le Christ. Paul dira aux Romains que nous savons que par un seul homme le péché est entré dans le monde et que par le péché est venue la mort. Et ainsi la mort est passée en tous les hommes étant donné que tous ont péché. Mais il arrivera aussi que si la mort a frappé une multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu sera-t-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée par en un seul homme, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Fils de notre Père qui est dans les cieux. Saint Augustin déclara, heureuse faute qui m'a valu un si grand salut. Nous-mêmes, nous avons devant nos yeux nos péchés, nous connaissons nos péchés, nous le savons, mais le Seigneur connaît nos cœurs, connaît nos vies.
Et si pour lui, nous sommes des pécheurs, nous sommes d'abord des pécheurs pardonnés avant d'être des pécheurs condamnés. Oui, nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Cependant, par la grâce de Jésus-Christ qui a donné sa vie à la croix pour chacun de nous, nous sommes désormais des pécheurs pardonnés, puisqu'il déclarera à son Père, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alors, frères et sœurs, nous devons aujourd'hui nous réjouir parce que nos cœurs sont connus de notre Dieu, sont connus de ce Dieu qui veut que nous soyons tous sauvés. Alors, que les pauvres qui l'ont vu soient en fait vie et joie pour nous qui cherchons Dieu, car le Seigneur écoute les humbles que nous sommes. Il n'oublie pas les siens que nous sommes, emprisonnés par le péché, emprisonnés par toutes sortes d'épreuves. Non, que le ciel et la terre le célèbrent, les mers et tout le peuple le louent et lui rendent grâce, car il est bon, ton amour, dans ta grande tendresse, Seigneur. Tu nous regardes et tu nous réponds, Seigneur. Alors, merci, Seigneur, de ce que tu es en train de faire dans le cœur de nos frères et de nos sœurs en ce jour qui, peut-être, pour certains, vont être persécutés, critiqués, jugés. Mais réjouissons-nous, parce que si les calomnies nous annoncent vraiment pas forcément des moments agréables, le Christ est notre justicier et notre justice. Il est un guerrier redoutable et nos persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle et inoubliable. Alors Père, je te remercie, toi qui scrutes l'homme juste que je suis, la femme juste que je suis, parce que tu vois dans le secret de mes reins et de mon cœur la fidélité que je te porte et l'amour que je te porte. Alors Seigneur, retiens pas nos fautes, ne nous juge pas selon nos fautes, mais regarde ton Fils Jésus qui a donné sa vie pour nos péchés et nos faiblesses. Et merci Papa de venir nous rejoindre dans notre nature fragile et pécheresse pour nous montrer que notre vie, elle a du prix à tes yeux, comme tu nous le dis dans Isaïe 43, verset 4. Puisque tu nous déclares, parce que tu as du prix à mes yeux, que tu as de la valeur et que je t'aime, je donne des humains en échange de toi, des peuples en échange de ta vie. Oui, dans ce passage d'Isaïe, tu nous annonces que tu n'hésites pas à offrir le salut à tous ceux qui te cherchent en vérité, en esprit et en vérité. Alors, frères et sœurs, je vous le déclare plus que jamais. Merci d'exister, merci d'être ce que vous êtes. Soyez fidèles à notre Père qui est dans les cieux, et lui le sera en votre faveur, puisque Jésus se déclarera en votre faveur devant son Père. Amen.